Coucou à tous. Alors je viens pour un haul action. Présenter un haul action. Donc j'ai pris un pistolet à bulle qui se présente comme ça, qui est comme ça. Et de la musique. Ouais, de la musique, pardon. Oh, arrêtez. De la lumière. Je sais pas si vous verrez la lumière, c'est trop stylé. Et en fait, c'est un pistolet à bulle. Et vous avez la petite recharge avec. Donc mon fils, il a déjà joué avec. Même pas 1 euro le pistolet, c'est trop bien. Là, vous avez la recharge. C'est quoi ? Voilà. Ensuite, j'avais pris des bulles aussi, un long bâton comme ça, une épée magique en fait. Mais il a déjà utilisé, du coup, il n'y a plus tellement de produits pour en racheter. Bien sûr, il y a des recharges qui s'achètent. Ensuite, j'ai pris des papiers plastifieux pour plastifieuse. Donc, il y a la x20 à l'intérieur. J'espère que vous verrez. J'en ai pris x2. Ensuite j'ai pris c'est quoi, une serviette de hammam. C'est du 90 x 170 cm. Voilà, et elle est bleu ciel. D'ailleurs je vais l'ouvrir. Et je vais voir comment elle est. Elle se présente comme ça. Voilà. Et c'est bien pour... Oh, elle est bien. Pour aller à la mer ou au lac ou je sais pas, voilà. Il y a déjà un bug. Donc elle est comme ça. Voilà. Elle est comme ça. Attendez, je vous la tourne peut-être pour voir la couleur. Hein. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Voilà. Et elle est super, super longue. Voilà. Elle est comme ça. Wouhou ! Je vais faire une longue écharpe avec. Donc ça, j'ai payé, il me semble, 2 euros et quelques. Ensuite, j'ai pris des... comment ça s'appelle, des boxeurs. Il y en a x2 à l'intérieur en taille M, comme ça. Donc c'est la marque Ziki et il me semble qu'ils étaient aussi à 2 euros et quelques. Donc ça va être comique cette vidéo à mon avis, hein. Donc ils se présentent comme ça. Voilà, ah ouais ils sont bien. Donc j'ai pris un orange comme ça. Je les trouve chouettes franchement. Un comme ça. Ah, j'ai mal au dos. Un comme ça. Voilà. Après, j'ai vu d'autres. Ensuite, j'ai pris un autre lot comme ça en vert. J'ai vu d'autres culottes super jolies avec des dentelles. Alors, je vais me prendre la prochaine fois. Donc, ça, c'est des verts. Moi, je sais que ma fille va me piquer aussi, n'est-ce pas? Voilà. Un vert avec des traits verts et roses dessus. Ça c'est du taille M. Moi j'ai que pris du taille M. Et une comme ça avec des feuilles dessus et des fleurs. Ça vous verrez. Voilà. Je les trouve super jolies. Et j'ai pris un autre lot comme ça en kaki. Donc on a celui-ci. Comme ça. Voilà. Et celui-ci, je les trouve super bien et on est bien, on est à l'aise dedans. Donc ça, ensuite j'ai pris des gants de toilette jetables, il y en a 20 dedans. Alors ouais, c'est des gants de toilette jetables, ça c'est pratique pour voilà, pour les enfants et tout, hein, pour emmener. Ensuite j'ai pris bien sûr Sam, j'ai pris des sacs à litière pour chat. Il y en a x8 à l'intérieur de la marque du mille. Et ça, c'est vachement pratique. Vous mettez votre sachet à l'intérieur. Il se présente comme ça ici. Et là, ouais, voilà. Et du coup, vous avez juste à enlever ça et le sac. Et puis, vous le mettez à la poubelle. Et vous rechangez votre sac. Vous passez un petit coup de détergent. Enfin, vous lavez la litière en plastique. Enfin, le truc, le bac. Et vous remettez à chaque fois des sachets. J'en ai pris x2, donc ça fait 16. 16 sacs pour litière pour les chats. Et ça, c'est vachement bien. Ensuite, j'ai repris les poubelles à la lavande, des 30 litres pour la salle de bain et les toilettes. Et il y en a 15 à l'intérieur. La marque du mille aussi. Ils sont bien aussi. Ensuite, j'ai pris des... Ah ben, j'ai pris pas mal quand même. J'ai pris un t-shirt en taille M. Comme ça, il était à 2 euros et quelques, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc ça, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer, parce que de toute façon, il faut que je les mette. J'aime, par contre, c'est la matière, j'aime pas trop. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, il y a des ananas dessus. Je vois pas. Du coup, ils sont comme ça.
comme ça à l'arrière. Voilà, ça descend en arrondi comme ça. C'est un peu plus long derrière que devant, je trouve. C'est très joli. J'aime bien les ananas. Voilà, j'ai pris un comme ça. J'ai pris un autre avec des flammes en rose. Voilà, comme ça. Je vais vous l'ouvrir maintenant qui sont comme ça. Voilà, très joli aussi. Avec des petits flammes en rose et il est rose. Voilà, c'est le même que l'autre, seulement avec des flammes en rose et rose. Et pareil pour le bas. Océan, arrête. Punaise. Je vais me faire un petit montage. J'arrive pas. Je prends rien. Et voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un autre en taille M, un Lady Stop. Voilà, comme ça. Et ils étaient franchement pas chers. Alors j'en ai profité. Là j'avais besoin de haut. Franchement, pour ma vie, c'est fluide. Donc voilà. Il est en col V. Long comme ça. Avec avec un. Je sais pas ce que c'est ça. Avec un lacet à fermer. C'est quoi ça en fait? Il y a deux lacets ou il n'y en a qu'un? C'est juste pour décorer. Ah non. Il y a deux lacets en fait là si vous voulez faire un nœud, je pense. Voilà. Il y a celui-ci ici en bas. Et vous avez les manches qui sont comme ça, pareil, avec des petits lacets. Je pense que c'est pour remonter les manches si vous voulez les remonter pour les fermer ou faire un nœud en fait. C'est comme vous voulez. Hein. Donc il est beau. Il est fluide, vous voyez? Il est super bien et on est à l'aise. Par contre, il est un peu transparent. Mais après, moi, ça ne me dérange pas parce que les soutiens-gorge, je les adapte voilà, en fonction. Voilà. Moi, je trouve qu'il est super joli et il est fluide. J'aime bien. Ensuite, j'ai pris pour la voiture, c'est un cleaner textile pour... c'est un nettoyant textile, en fait. J'ai pris ça. C'était pas cher, je vais le tester. Je sais pas si la bulle, nanani, les éléments traités... Laissez agir de manière uniforme et essuyer la saleté à l'aide d'un chiffon propre. J'ai pris des feutres pour mes enfants. Il y en a 12. Des bics, ça c'était 1€ et quelques, il me semble. C'est des pointes fines. Voilà. Comme ça. C'était pas cher. Ici, si c'est pris du charbon, du peel-off. Attendez. Avec une spatule apparemment. C'est où écrit en français? Charbon de bois masque visage. Nettoie en profondeur pour peau normale. Formule à l'extrait de charbon de bois pour éliminer les impuretés, les cellules de peau morte et nettoyer les pores en profondeur tout en laissant votre peau avec des pores moins visibles et une texture lisse. Donc c'est celui-ci. Ensuite j'ai pris de la marque Fresh Toilette Freshner. 5 balles au limon, un citron. Pour les toilettes, voilà, ça. C'était moins d'1€ aussi, je crois que c'était 65 centimes, il me semble. J'ai trouvé des soutiens-gorge en forme de... C'est des soutiens-gorge invisibles en fait. C'est des... Comment ça s'appelle? Sans couture, invisibles sous les vêtements, confortables et sans couture. C'est comme des brassières, c'est comme ça. Donc là, j'ai pris en taille SM pour moi. Il va m'aller parce qu'il me paraît petit. Au pire, je le donnerai à ma fille. C'est pas grave, c'est pas perdu. Donc, ils sont comme ça. Voilà. À mon avis, il faut que je l'essaye. Vous voyez, ils sont bien extensibles. Donc, peut-être que je rentre dedans. Ouais, possible. Il faut que je teste, il faut que j'essaye. Sinon, bah, elle est XL. Voilà. Sinon, je le donnerai à ma fille. Donc, j'ai pris un noir comme ça. J'ai pris un blanc, je me mets vachement en arrière, j'ai pris un blanc comme ça. Vous voyez, c'est vraiment sans armature. C'est comme ça, avec élastique en bas. Voilà. Et devant, vous avez juste un petit genre d'élastique. Voilà. Et à l'arrière, c'est comme une brassière. Donc un blanc, un noir. Et un noir pour ma maman en taille LXL. J'espère qu'il ira. On croise les doigts. Ensuite, j'ai pris pour la voiture de la marque Dunlop un truc fraîcheur sans bon là, au lemon, citron. Donc, je ne sais pas si ça se pose ou quoi. C'est un désodorisant. Voilà. Je pète les ongles. Ça va être génial. Je pète les deux. Je sais bien maintenant. Ça serait pas mal. Ah, super, j'ai réussi. Ça, je passe sur le laisser. Je rentre pas. Donc, là, l'ouverture, je vais en direct. Ça, on va faire ça sans bon. Excusez-moi. Attendez, attendez. Franchement, il n'y a pas de truc.
truc là pour enlever, vous voyez, un petit ah, 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 ça va jeter dessus. Ça a du fond ou quoi? C'est bizarre, on trouve ça. Ça sent super bon. Et c'est de la gelée en fait, voilà. Et ensuite, je pense que vous mettez juste simplement ça dessus, voilà. Donc du coup, vous posez ça dans la voiture et quand il fait chaud, à mon avis, ça sent très bon. Voilà. M'excusez pour ma tête, je suis un peu fatiguée en ce moment. Ensuite, j'ai pris des... comment j'appelle ça? 4 pièces poids de nappe, voilà. Pour tenir la nappe, vous savez. Voilà. Pas qu'elle elle tombe dans tous les sens parce qu'elle est fluide et tout. Donc, pas qu'elle glisse de la table, en fait. Pas qu'elle tombe. Donc, j'ai pris en forme de... Comment ça s'appelle? Ça se présente comme ça, c'est tout mignon, je trouve, c'est joli. Vous avez des fleurs roses et du jaune au-dessus avec la petite pince pour accrocher à la nappe. En fait, c'est pas que la nappe elle tombe. C'est des. Comment ça s'appelle? Oh là là! Des cactus! Voilà, des cactus. Donc vous les avez comme ça. Et franchement, c'est super mignon, moi je trouve. Ça ira bien avec mes rideaux verts. Voilà pour ça. Donc on en a 4 à l'intérieur. Voilà. C'est pas cher en plus pour ça que j'ai pris. Ensuite j'ai pris encore des bulles. Bon j'ai fait le stock de bulles hein, parce que comme je vais au parc avec les enfants et que mon fils il s'éclate avec les autres enfants et il fait des bulles. Du coup j'ai repris encore un lot de 4 bulles comme ça avec les petits yeux dessus, vous savez. Faut que j'achète les recharges encore. La recharge c'est une grande bouteille pour mettre le produit à l'intérieur, en fait c'est du produit. Donc voilà, j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un savon au fiel de bœuf, Calself. C'est de la marque Mariette Authentique. C'est détachant textile. Voilà, et c'est du 100 grammes. Voilà. À tester, je. Ça sent bon. J'ai jamais testé, c'est la première fois que je l'ai vu au Action. Donc, savon au fiel de bœuf. Élimine les taches sur les textiles. Conseil d'utilisation : humidifier les taches. La tâche est frotter bien le savon sur le linge. La tâche doit être couverte d'une couche de savon. Laissez agir 15 minutes puis rincez à l'eau claire ou mettez le linge dans la machine à laver. Petit savon comme ça, à tester. C'est toujours pratique, ça enlève les tâches pour les enfants et tout, c'est bien. Ensuite, j'ai pris une paire de chaussettes, enfin plusieurs paires, un lot de paires de chaussettes. Il y en a fois 3 dedans pour mon fils. C'est des courtes, vous savez, qui s'arrêtent au niveau du talon du pied, un peu plus haut, on va dire, au niveau du début de la cheville, quoi, au-dessus du talon du pied. Donc, ils sont comme ça. C'est bien pour mettre dans les baskets, ça évite de voir les chaussettes. Donc, j'ai pris ça pour mon fils. C'est de quelle taille? C'est du 27-30. Donc, ça, moi, je suis sûre que ça lui ira. Et j'ai pris un parfum Dove 48 heures, bien sûr, vous savez quand même, n'attendez pas 48 heures parce que ça marche pas du tout. Dove, pareil, là, j'ai pris au citron. Hein. Voilà. Si vous verrez bien, parce qu'en fait je le vois pas, j'ai pas de retour caméra. Et c'est un 150 ml. J'ai pris encore une paire de tongs. Voilà, elles n'étaient pas chères non plus, donc j'ai profité. C'était sur l'occasion. J'ai pris les tongs comme ça. Voilà, ça vous verrez bien parce que moi je vois rien. Donc voilà. Et c'est Ladies Fancy. Bah voilà, c'est tout pour le haul Action. Je remercie les nouveaux abonnés d'être venus vous abonner sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Désolée pour ma tête, je suis fatiguée. Non, ne faites pas gaffe à ça. Et likez, commentez, faites ce que vous voulez. Dislikez si vous voulez, c'est pas grave. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et en commentaire, dites-moi aussi ce que vous aimeriez comme vidéo. Si vous voudriez que je parle d'un sujet ou autre. Quelque chose qui vous intéresserait, qui vous pimenterait un peu la vie, quoi. Ben voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.